Attention. Attention. Est-ce que ça va apparaître dans le jeu? Et c'est validé. Oh, vous voyez le petit logo en bas à droite là? 20 conteneurs viennent d'apparaître dans mon port. Là, c'est la plus grosse pression du monde là. Bon, on va faire un truc. La musique, elle va être coupée. Et là, on passe en mode son warship. Moment de stress, exactement. Tu vois ce moment de stress là, juste avant un match de foot, juste avant n'importe quoi, genre, c'est juste avant d'avoir les résultats, tu sais. Bah c'est ça actuellement. Genre, là c'est mon état d'esprit actuellement. Moment de pression. Le moment de pression. On se détend. Et ça commence bien par des petits pavillons. Incroyable. La pression est forte, hein. Ah, vraiment. Ah ouais, moi dans mes états, on s'imagine même pas quoi. Bah en fait, je sais détecter quand il va y avoir un navire, ou pas. Je sais détecter ça. C'est abusé. Comment, je sais pas, mais en fait, vous avez un micro bug. Comme ça. Oh! Oh, un petit Z44. Ah, ça commence très bien cette soirée. Ah, et voilà. Vous voyez le petit. Ça c'est magique ça. En trois conteneurs, un navire. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Chut, c'est pas fini. La pression, je rappelle, la pression est présente. On se détend. Il faut rester détendu, sinon ça marche pas. La luck, on l'a pas plusieurs fois. On l'a qu'une seule fois ou on l'a plein de fois. Ça dépend vraiment de différentes personnes. Tu vois, faut prendre son temps, faut se poser et tout. D'ailleurs, le bruit, c'est pas un vote, c'est un commandant. Ah ouais? À ce point-là? Ah, c'est intéressant à savoir ça. Non, parce que je sais que c'était vraiment des bateaux. Hein. Vraiment des bateaux. Alors, là, les gens vont dire, qu'est-ce qu'il fout? Change de port. Alors ça ne marche? Moi c'est ma technique. Mais oui. Ah, t'entends. Moi en fait, je suis quelqu'un qui ouvre plusieurs conteneurs, qui prend son temps à les ouvrir, tu vois, vraiment, qui garde. S'il est au commandant? Ah ok, d'accord. Et ben voilà! Magnifique! Il suffit juste de changer de port. Ça fait. C'est. La magie. En fait, il faut de la magie dans le jeu. Il faut de la magie. Mais on reste détendu. On reste détendu et on reste concentré. D'accord, ok. Donc, du coup, et maintenant, on va reprendre le magnifique port de Noël. Parce qu'on aime avoir le port de Noël quand même. Parce que c'est quand même Noël. On en profite un peu, tout le monde. La pression, rappelle la pression, la pression. On la garde. Et ben voilà, le marceau! Et voilà! Voilà comment on fait, putain! Et voilà, regardez-moi ça. Vous voyez? Il faut garder, en fait, il faut toujours garder à l'esprit la pression. La pression, elle est importante. La pression. Chut. On la garde, on la détend, on la laisse couler et on profite. En 8 conteneurs, 3 navires. Rentabilité, c'est à côté combien les 20 mégas, 61 euros. Les 20 conteneurs méga, 61 euros. Et 3 navires, c'est pas encore fini. La pression, chut, il faut garder la pression. La pression est quand même constante et elle reste là. Ce n'est pas un navire, je vous le dis tout de suite. On garde les petits Silka, on les garde, ils sont vraiment sympas et tout.
Hein? On va prendre base navale. Ça fait un moment, base navale. Base navale, j'ai des trucs incroyables à base navale. On va rester là-dessus. Oh là là. En plus, on va combien de chaussures la nuit, il me semble, maintenant. Faut chaussures vraiment les jours qu'on veut. Chut. On garde la pression, j'ai dit. Encore des Silka. On la garde. Là, j'y crois plus là. Là, je vous crois plus dedans. Là, je vous crois plus dedans là. Là, je vous crois plus dedans là. Là, il faut revenir dans le port de Noël. Là, je vous crois plus dedans. Là, j'ai l'impression qu'ils sont tous partis en vacances. Là, ça y est. Trois navires dès le début. Oh, c'est bon. Doucement. Détendez-vous là, s'il vous plaît. Chut, la pression. Est-ce que Henri, il penserait pas au T10, au T10, le Himmelmann. Il penserait pas au Himmelmann? Des petits. Oh, ouais. Et par contre, vraiment, les pavillons, ça, c'est incroyable. Ces pavillons, ils sont vraiment très, très cool. Hein. La pression. On n'a rien pour l'instant, on n'a rien pour l'instant. On se détend. C'est très calme. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer. Tu drops un Himmelmann, je trouve ton adresse pour notre butée. Eh, c'est pas encore fini. Hein. C'est pas encore fini. Il reste quand même 5 conteneurs quand même. Hein. C'est pas encore fini. Hein. La pression est quand même à son comble. Hein. Et voilà qu'est-ce que je fais pour les 5 derniers conteneurs. Les ouvrir tous. Et là par contre, il me faut de la pression là. Là il me faut beaucoup de pression là. Beaucoup de pression. Vous êtes prêts? C'est parti. Ship! Tiger et Belfast! Oui! Ça c'est beau ça! Ça c'est beau! Magnifique! Ah là là, incroyable! Putain! Quelqu'un peut préciser le navire qu'on a eu là? Tiger, Belfast. Alors, Tiger, Belfast, Constellation, Z44 et Marceau. Est-ce que on serait pas bien? Nathan, vraiment, je vous conseille, quand vous achetez des conteneurs, il faut garder cette pression constante. Elle est importante. Il faut la garder. Il faut se dire. Détente. Détente. On respire. On respire. Et là, tac, tu balances. Tu balances. Tu pars sur un bateau. Et t'es content, tu vois. Il faut garder cette pression. Si on ne l'a pas, c'est mort. Vous n'aurez rien. Si vous faites comme les. Vous voyez, les gens qui font. Bah, je prends juste ça en screen. Hein, désolé. Hein.